avec l'évangile. Là où il y avait une situation de dépouille, l'évangile apporte le questionnement sur le changement qui s'opère. Il est temps que tu changes, ma soeur. Il est temps que tu changes, mon frère. La question de changement, j'ai dit aux parents, tu te demandes comment mon enfant changera. L'évangile est une source de questions, y compris des questions de changement de comportement, y compris le changement de l'état physique de l'homme. Et les gens qui se posent des questions, ils ont besoin d'avoir des réponses. Mais Dieu, quand il donne ses réponses, c'est pour les mettre en contact avec le royaume de Dieu. Faisons de manière que nous puissions mettre des hommes et des femmes en contact avec le royaume céleste. Peuple de Dieu, ces gens se demandaient, est-ce que c'est le même là ou bien c'est un autre? Et là, Jésus était là pour qu'il y ait des réponses. Troisième question. Bien-aimé, le monde est compliqué. Ce sont eux qui ont vu qu'il y a changement. Je veux que nous lisions la parole parce qu'elle va nous aider. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 9 toujours. La troisième question est posée au verset 10. Alors les gens lui demandent, tes yeux se sont ouverts comment? Est-ce que les gens t'ont déjà posé des questions? Il faut quand même que l'évangile, que l'évangile que tu as écouté puisse susciter des questions. Que les gens qui savaient qu'à l'école tu n'étais pas intelligent. Vous savez, il y a des gens qui sont nés intelligents. Il y a aussi d'autres. En tout cas, l'école vous enseigne, c'est comme si vous dites dans le vide. Vous pouvez être les enfants d'une même famille. Il y aura l'autre là très intelligent. L'autre ici compliqué. Oui, l'évangile peut changer la personne. Et la personne va à l'école. Les gens se posent des questions. Que de la manière dont nous les connaissons, il n'a jamais été intelligent. Un jour, je parlais avec un directeur de la régie des eaux. Alors, nous étions à bord de son bureau. Nous étions à bord de sa voiture, je disais. Et il mettait les chants lui-même au volant. Il ne faisait que il chantait. Alors je lui dis, pourquoi tu chantes comme ça? Il lui dit, papa, là il est le directeur na école pendant première, primaire, 10e, 6e. Nanu na bima le premier T. Nanu na zala le 5e T. Donc na za kitaka tangu balingi pasili si ceux qui ont réussi nde moi chance biwal. Na keina université. Na sala kutu ba promotion susu deux fois. Mais mbongo nguya pa fute na ngai komi ya senga wa kende kuna pasi. Mais kana pasi wana na sili si. Mais depuis na kutana na mubalo ya 33 ans. Mais na koma boy na ba oy bazala ki ko distingue to koma boy ngai bazui ngai ya liboso oy bazala ki ko distingue bazui ye après ngai tango na ko tala ye boy ya ngwana ta na directeur ko bine la ye ngai na koko yo kasonite ata na mutu kana na volant boy na za ko bine la ye na za ko ba nzambe mutu azala na no ta ya liboso na classe D a distingue na université D mais le lot
Que cela t'arrive. Que l'évangile que tu écoutes puisse affecter ta vie. Peuple de Dieu, je veux dire à celui qui m'entend que les gens se posent des questions jusqu'à ce que leur question termine. Parce que ces gens-ci, ils avaient commencé sur les origines. Ils ont cru avoir des questions. Ils retournent encore sur les origines. Ils ont demandé sur les comment. Et ils retournent encore sur les procédures. En résumé, les questions étaient terminées. Que l'Éternel Dieu fasse en sorte que ceux qui ont des questions sur ta vie se posent jusqu'à l'épuisement de leurs questions. Maintenant, la dernière question.